Bonjour Pablo. Bonjour Nico. Eh bien écoute, je suis ravi de te recevoir dans Comptoir IA. Ça fait un moment qu'on essaye d'organiser ce podcast, vu que je crois que tu es basé à San Francisco. C'est ça. Et donc Pablo Ducru, donc c'est trop cool de te recevoir. Pablo, donc tu es un entrepreneur, tu es un scientifique aussi, tu es le fondateur de Rave. Donc tu es dans la vallée, tu travailles dans l'IA générative et je suis ravi de te recevoir. Merci, moi aussi, je suis ravi d'être là. On a eu un super premier échange la dernière fois et ça m'a vraiment motivé à me dire bah, il y a des choses vraiment chouettes qui se passent ici. Donc parlons-en. Génial, Pablo. Et en fait, ce qui est hyper intéressant aussi, alors déjà, premièrement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton projet, donc sur Rave? Oui, alors je suis cofondateur de ce projet. La personne qui a l'initiative de ce projet, c'est donc mon cofondateur Jonathan Reymann, qui est un ami d'enfance avec qui on a grandi tous les deux à Paris. On est tous les deux français. Lui est franco-américain, je suis franco-mexicain. Et après, j'ai fait toutes des études, on a fait nos études ici en France. Lui, il est parti aux États-Unis pour faire le reste de ses études. Et moi, j'ai fait le parcours entre guillemets classique français, de grandes écoles et autres. Après quoi, j'ai décidé de partir faire mon doctorat aux États-Unis et on s'est retrouvé au MIT, Jonathan et moi, où lui il faisait de l'intelligence artificielle un peu avant que ce soit encore vraiment le boom, quoi, certainement. Et moi, je faisais C'est-à-dire quelle année? en 2014. Ah En oui, tout à fait. 2014. Et moi, j'étais en train de faire du calcul haute performance et de la physique nucléaire, ce qui est aussi d'ailleurs très français. Alors, il y a des choses assez intéressantes et des convergences qui ne sont pas forcément évidentes vues de loin. Mais en fait, la physique nucléaire, et en particulier la simulation de bombes nucléaires et de systèmes nucléaires en général, est un peu, a été un des précurseurs, un des pionniers de toute une branche de bon, mathématiques appliquées, certes, mais surtout de puissance de calcul. En particulier, la méthode Monte Carlo a été inventée pour ça. Plusieurs méthodes d'inférence et de propagation statistique qu'aujourd'hui on appellerait de l'IA ont été développées pour ce genre d'engin. Et aussi, une grande partie des supercalculateurs, d'ailleurs encore aujourd'hui, à ce jour, les plus grands supercalculateurs sur Terre ne sont pas dédiés à l'IA, mais ils sont dédiés à la simulation nucléaire. Donc c'est assez intéressant comment ces champs ont convergé, d'ailleurs aussi avec toute une discipline de l'étude de la complexité, en fait, dans les années 90, dont l'IA est issue. Et tout ça a émergé un peu autour de Los Alamos. Donc moi, j'ai eu la chance de pouvoir travailler à Los Alamos et aussi à Oak Ridge National Lab avec ce genre d'équipe. Voilà, donc pendant mon doctorat. Et dans ce Excellent. doctorat, je suis allé faire toute une carrière en IA. Ah, génial, génial. Mais écoute, Los Alamos, ça me fait penser à Breaking Bad, la série, en fait. Oui, et puis un C'est nouveau film qui vient de voilà. sortir. Qui s'appelle Oppenheimer. J'ai absolument envie de le voir, je ne l'ai pas encore vu, mais en tout cas, les livres que j'ai lus sur l'époque, c'est assez extraordinaire. Et quelque part, moi, je trouve que ce qui est en train de se passer en IA, même si ce n'est pas le gouvernement qui le fonde, et on pourra en parler sur la partie Oui. souveraine, ça ressemble quelque part à une sorte de projet Manhattan du 21e siècle. Une Ah, des choses. écoute, j'ai déjà dit ici à deux reprises, je suis tout à fait aligné avec ça. Voilà. Exactement. Exact. Et. Et alors, alors donc ça c'est très intéressant. Et donc, est-ce que le fait d'être un peu dans cette configuration projet Manhattan, grosso modo, ça peut permettre peut-être à la science d'avancer plus vite, plus rapidement? Et tu vois, de connaître des progrès, grosso modo, qu'il nous aurait fallu des décennies pour avoir, en quelques années. Absolument. Je pense que c'est exactement ce qui est en train de se produire. Une des choses qui a été absolument singulière, on va dire, du projet Manhattan, c'est qu'on a pris littéralement les plus grands cerveaux de l'époque. Il Et suffit de prendre on parle cerveau et on parle de milliards de milliards de exactement. milliards de On avait dollars pris investis, ouais. 42 milliards de dollars à l'époque. Il faut vraiment réfléchir aux investissements. Genre, je crois 3% un pourcentage du PIB américain, en fait. Enfin, je répète, on est à 42 milliards de dollars à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. C'est absolument faramineux. La construction de villes entières, plusieurs, dont aujourd'hui ont été complètement démantelées.
certaines pas du tout, comme Los Alamos, comme Oak Ridge, comme plein de laboratoires nationaux, pour tout un projet très très vaste. Bien sûr, c'est dans l'effort de guerre, donc bien sûr, forcément, c'est centralisé par le gouvernement. Et d'ailleurs, pas tant que ça, c'est ça ce qui est aussi étonnant, une grande partie est faite à travers les universités américaines, dont le University of California, dont Robert Oppenheimer faisait partie et a commencé à fédérer tout ça. Et je pense que de ce point de vue-là, il y a une similitude forte, c'est l'interaction entre la recherche, vraiment des académiques quelque part, des scientifiques de pointe, qui s'organisent pour faire un grand projet industriel. Et je pense que c'est vraiment quelque part ce qui est en train de se passer. Enfin, il y a plein de différences, mais un des parallèles aussi qui est étonnant, c'est qui est en train de financer. Aujourd'hui, on voit que dans l'académique, souvent, il manque les moyens que les géants de la technologie ont pour développer ça. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus mené par les gros de la tech ou les gros investisseurs qui sont en train de faire des paris. C'est pour ça que ça se joue en centaines de millions, même si ce n'est en milliards de dollars, pour quelque part dominer cette technologie. Alors, je pense que la raison fondamentale derrière ça, en tout cas celle qui, moi, m'a appelé dans ça, c'est si on regarde les modèles génératifs aujourd'hui, surtout les modèles de fondation, les Foundation AI Models, leur capacité qu'ils ont non seulement à capturer de l'information, la packager, l'échanger, l'accéder et en plus, bien sûr, la créer, elle est sans précédent. On n'a jamais vu un truc pareil. Je pense que l'une des choses les plus similaires, c'était le search. Imaginez l'Internet avant Search et après Search, ça a vraiment changé la donne, comment on accède à l'information. Mais là, c'est, je pense, une nouvelle étape. On peut la créer, on peut l'échanger, on peut la posséder peut-être, on peut la traquer, enfin, c'est autre chose. Et donc, du coup, c'est pour moi vraiment voué, cette technologie est vouée à devenir un cœur, au cœur et un moteur de l'économie de l'information de demain. Alors, ça ne va pas tout toucher, mais ça va toucher l'économie de l'information, qui est quand même la partie qui croit le plus. Donc, OK, c'est peut-être pas forcément toute l'industrie, la santé, l'énergie, l'agriculture, mais à peu près presque tout le reste, tous les services, c'est une économie d'information. Et je pense que ces modèles vont aller toucher au cœur de chacune de ces verticales, où qu'elles soient. Génial, Pablo. Donc, une vraie révolution. Et j'adore ton exemple. Je suis ravi que tu en parles ici du projet Manhattan. Parce que, en fait, si on poursuit l'analogie, c'est ensuite, au final, la création de l'agence sur la sécurité de l'énergie atomique. Un petit peu qu'aussi on regarde aujourd'hui en se disant, tiens, bah, c'est quelque chose qui a fonctionné parce qu'on n'a pas complètement détruit toute forme de vie sur la planète avec l'arme nucléaire aujourd'hui. Et c'est quelque chose, en fait, qu'on aimerait bien faire avec l'intelligence artificielle. Absolument. Donc c'est étonnant parce que il y a déjà 4 ans, j'ai fait un programme qui s'appelait le Schwarzman Scholars, qui a la vocation, qui a été fondé par Steve Schwarzman, fondateur de Blackstone, et qui a la vocation d'être le Rhodes Scholarship of the 21st Century. Pour les Français peut-être qui connaissent pas la Rhodes Scholarship, bon, je leur demande, voilà, allez voir. Mais en fait, la vocation ici, c'était de faire un truc à mi-chemin entre un MBA, on va dire, et quelque chose qui a à voir avec les affaires internationales. En sens, quels sont les grands sujets qui sont au cœur de l'économie, de la politique, de la géopolitique, des enjeux, tout simplement, du 21e siècle. Alors, c'est pour ça que c'est en Chine, parce que de loin, la relation qui va dominer et qui domine déjà le 21e siècle, c'est celle entre la Chine et les États-Unis. Chacun représente la moitié du PIB, enfin, un quart du PIB mondial. Donc, à deux, ils représentent la moitié de toute l'économie mondiale. Et cette relation est déterminante pour tout, pour la paix, pour la guerre, pour la technologie, pour absolument tout. C'était ça la première idée. Mais après, on regardait des sujets spécifiques. Dans ces sujets spécifiques, il y en avait trois. Il y avait l'enjeu climatique, qui est très, très en vogue, on va dire, en Europe. Enfin, il est très présent et c'est très bien. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait du nucléaire. Voilà, je pense que ça pourrait être une solution importante, clé même, pour résoudre le problème du réchauffement climatique. Mais il y avait deux autres problèmes qui étaient là. Le deuxième, c'était le nucléaire, en termes de armes nucléaires, donc la prolifération nucléaire. Et là, c'est un excellent exemple sur le terme de gouvernance mondiale. Et le troisième, déjà à l'époque, c'était l'intelligence artificielle. Et ça, c'était bien avant qu'on voit cette nouvelle capacité qu'ont les modèles génératifs à vraiment changer la donne, je pense. Et déjà, à l'époque, on se posait des questions sur sa régulation, son accès à la donnée, la compétitivité qu'elle représente. Est-ce que ce n'est pas une nouvelle course aux armes, un peu une sorte de space race qui est en train de se produire avec ça? Et aussi, où est-ce qu'elle a un impact? Où est-ce que c'est du hype? Et ainsi de suite. Donc, c'est très intéressant parce que ces problèmes de gouvernance aussi, on est en train de les voir tout de suite en Europe, avec ce qui est en train de se passer vis-à-vis de la régulation qui est en train d'être proposée.
Mon avis personnel, c'est que c'est peut-être bien trop tôt pour réguler, même l'histoire de la non-prolifération nucléaire. L'Agence internationale l'avait été faite une fois qu'on avait peut-être une meilleure compréhension de quels sont les enjeux, quels sont les dangers. Ici, ce qui est possible qui se passe, c'est. Alors, la philosophie est bonne, c'est de dire plus l'enjeu est grand, plus il faut être prudent avec ce qu'on fait avec l'IA, et ça me paraît très bien. D'ailleurs, c'est quelque part une des philosophies que nous, on a prises avec Rave, en allant dans le monde de la créativité plutôt que allant dans un monde comme la voiture autonome, où l'IA a le potentiel de tuer, ou même dans l'information Bien sûr. pure, en search, où l'IA a le potentiel de mentir quelque part, ou dire des choses, de tromper notre confiance. Donc ça, nous, on voulait absolument pas aller là-dedans dès le début, justement pour ce genre de raison. Mais je crains que l'Europe ne soit en train de se réguler en dehors de cette compétition avant même vraiment d'être rentrée dedans. La compétition se joue entre les États-Unis et la Chine aujourd'hui de façon majeure. Et je crains que l'Europe ne soit pas en train de Écoute, prendre les bonnes décisions écoute, sur la question. ça me fait peur aussi, ça me fait peur aussi. C'est une des raisons pour lesquelles je fais ce podcast. Et en effet, on reste un petit peu sur la blague, le même qu'on a vu passer il y a 2 mois, qui est trois cercles pas vraiment concentriques avec les États-Unis et la Chine en pointe sur l'innovation et l'Europe en pointe sur la régulation. Mais donc c'est un vrai sujet. Pablo, est-ce que tu peux juste nous représenter un petit peu Rave? Donc, tu développes aujourd'hui l'intelligence artificielle générative pour l'expression humaine. Exact. Donc, Et donc Rave, donc super projet, nous présenter un tout petit peu donc la startup à San Francisco, ce qui est super intéressant aussi pour nos auditeurs, pour comprendre un petit peu le contexte. Et derrière, ça va être passionnant parce que je sais que tu as une vision ensuite sur aussi le copyright qui est très en avance par rapport à la génération que peuvent permettre les outils de l'intelligence artificielle générative. oui, alors moi je pense que pour parler un peu plus du projet, il faut absolument qu'on parle un peu plus de l'équipe, parce qu'au fond, c'est ça la genèse de Très ça. bien. Alors, comme j'ai dit, je vais continuer un peu sur l'histoire des fondateurs, et en particulier donc Jonathan et moi qui avons lancé cette entreprise il y a plus d'un an maintenant. Et là, je pense qu'une des choses qui est clé, c'est de voir le parcours. Donc en fait, aujourd'hui, il n'y a pas tant d'équipes que ça sur Terre, il y en a quelques-unes, mais pas tant que ça, qui savent faire des grands modèles de fondation d'IA générative. Pour continuer l'histoire, donc moi j'ai fait du calcul haute performance, de la physique nucléaire, j'ai aussi fait un peu d'économie à travers le Schwarzman Scholarship et autres, et j'étais toujours intéressé sur comment on prend une technologie qui va vraiment révolutionner une industrie. Pendant ce temps-là, Jonathan, mon ami et cofondateur, avait fait une carrière vraiment spectaculaire en IA, où il avait travaillé avec Andrew Ng chez Baidu, après le MIT. Parti chez OpenAI, où il faisait partie de l'équipe des dirigeants de l'équipe qui faisait OpenAI 5, qui sont ceux qui ont enfin, battu les champions du monde à Dota 2, le jeu vidéo. C'est un peu aujourd'hui encore le plus grand palmarès qui a été obtenu dans cette sorte de course qui a été lancée à la meilleure performance en intelligence artificielle pour le jeu vidéo qui avait été lancé avec DeepMind et AlphaGo. Donc après, il y a eu une course qui s'est lancée entre Ah, DeepMind. c'est passionnant, je ne savais pas que OpenAI avait été parti sur les jeux comme ça, comme DeepMind. Excellent. Oui, absolument. Et donc, en fait, il y a eu, comme je dis, toute une course qui s'est lancée une fois que DeepMind a lancé AlphaGo. Et un peu le fin mot de cette course, ça a été que DeepMind s'est lancé sur StarCraft 2 pour être précis, qui sont d'une complexité mais énorme par rapport aux échecs, au Go, et enfin, et ainsi de suite, et en plus en real time. Et il y a des problèmes aussi de qu'est-ce que ça veut dire d'être juste, parce qu'il faut que l'IA puisse réagir à des temps que l'humain pourrait faire, parce qu'il y a aussi ce problème de la temporalité. Donc, DeepMind a fini par perdre contre l'équipe des champions du monde à StarCraft 2, alors que OpenAI a vaincu les meilleurs à Dota 2. Et c'était un peu genre, OK, fin du mot, on va dire là-dessus, de cette course. Et donc, Jonathan faisait partie des chefs de cette équipe, des gens qui ont mené ce projet. Et en fait, Mais ça, c'est. alors, il gagne sur quoi, selon toi? Sur du deep learning? Enfin, Oui, quelque alors, chose c'est qui. du reinforcement learning, mais en fait, et c'est Ouais. ça un peu un des enjeux, je pense, qui est vraiment intéressant ici, c'est de dire,
au-delà des algorithmes qu'on emploie, qui sont eux-mêmes, on va dire, à la pointe, il y a toute une ingénierie et un savoir-faire de comment on déploie des IA à une telle échelle et comment on les entraîne. Et en fait, c'est ça ce que j'essaie de dire. Il n'y a pas beaucoup d'équipes du tout sur Terre qui savent le faire. Il y en a chez Google, chez Imagen, enfin d'autres. Il y en a chez Meta, il y en a chez les grandes, chez Nvidia, bien sûr, chez OpenAI. Mais en termes de start-up, il n'y en a pas beaucoup. Il y a peut-être Anthropic, oui, enfin les quelques-unes qui ont levé des centaines de millions. Mais voilà, c'est avoir cette expérience-là, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, Jonathan, il a eu celle-là non seulement chez OpenAI, mais après, il a été embauché par Nvidia, qui était intéressé pour appliquer ce même genre de technologie ou de stratégie, on va dire, pour faire le design de leurs propres processeurs. Donc, les dernières GPUs de Nvidia, les Hopper 100, sont parties designées par une IA. Et ça, c'était l'IA de Jonathan. Il était en chef de ce projet-là. Et à l'issue. C'est les H100, c'est ça? C'est ça. Donc, c'est les H100 D'accord. dont, sont celles qui ont fait que. On va dire, c'est un peu avec ça que Nvidia a passé la barrière du trilliard de Du dollars. trillion. Donc il y a ça. Et puis après aussi, et pendant ce temps-là, son vrai cœur de métier aussi, ça a toujours été les large language models. Donc il a déjà fait des modèles où il y a plus de 550 milliards de paramètres. Donc plus gros que GPT-3. Donc il y a peu d'équipes qui ont fait, si on regarde la courbe de tous comment dire, modèles, notre équipe chez Rave, on totalise plus de 3 des 6 plus gros modèles sur Terre. Et notre troisième cofondateur, en fait, Glen Powell, travaillait avec Jonathan chez OpenAI et il était en charge de Labs and Generation, qui était le projet dont est né DALL-E. Donc DALL-E 2, en fait, il était en charge de ce projet. Donc ça, c'est un peu notre culture de l'IA. Et en fait, l'idée derrière Rave, c'était de se dire, regardez. Oui, donc déjà t'as, en vrai, hein, et je ne veux pas faire du marketing ici, mais c'est vrai que tu as une dream team quand même, enfin, en tout cas, une vraie En fait, équipe je pense qu'il faut de avoir une recherche. certaine expérience d'avoir déployé des modèles qui ont déjà consommé des dizaines de millions de dollars à faire. Voir ce qu'on va faire avec ça. Enfin, moi, je trouve pas ça. Personnellement, moi, je ne pourrais pas. On a parlé tôt avec Jonathan. Je ne peux pas aller demander de l'argent à des investisseurs et être irresponsable avec cet argent. Donc, il faut vraiment qu'on ait une vraie expertise sur comment on développe ce genre de modèle à une très grande échelle, que ce soit d'ailleurs, et c'est ça aussi une des beautés de l'expertise de notre équipe, c'est qu'on a des modèles de langage, on a des modèles de reinforcement learning, on a des modèles de diffusion en termes d'expérience à déployer à très grande échelle. Et tout ça, c'est un savoir-faire en plus de. Oui, le risque de dépenser des millions de dollars pour rien est énorme quand on fait ce genre de choses. Absolument pas. Qu'on s'expose à ça. Il faut vraiment être des vrais professionnels de ce qu'on fait. Donc ça, là-dessus, ça fait partie de notre credo sur notre équipe et sur le level de voilà, le niveau de qui on a. Mais après, il y avait toute la vision de qu'est-ce qu'on en fait. Donc quand on regarde, Très OK, on bien. regarde les nouveaux modèles qui sont en train d'apparaître. Il y a une sorte de course, comme on dit, la space race qui est en train de se faire entre les géants, les grosses startups et les nouvelles startups qui essaient de venir. En fait, la course, elle a commencé déjà il y a quelques années avec le langage. Et c'est là où Oui. on a bien sûr vu OpenAI, mais on a vu Anthropic, on a vu Inflection, on a vu Cohere, on a vu quelques-unes qui font tous des large language models. Et en fait, ça fait des années qu'on sait faire des large language models, et je pense que le monde entier, enfin, ça n'a que capturé l'imagination du monde entier et du grand public quand en fait c'est arrivé dans la main de tout le monde avec ChatGPT. Ça faisait des années qu'il y a des entreprises comme Jasper, par exemple, qui utilisaient en API des modèles de langage pour faire des applications B2B qui sont très bien. Mais vraiment, le moment où tout le monde se dit, oula, ça peut vraiment atteindre 1 milliard de personnes, tout simplement, et pas que être un Ouais. outil derrière, ça a été ChatGPT. Et en fait, nous, c'est dans cette lignée-là qu'on se place avec Rave et qu'on réfléchit. On se dit, en fait, la nouvelle vague en termes de technologie, c'est pas le texte, c'est le multimédia. Donc l'image est apparue il y a à peu près 1 an avec Dali. Alors, et alors ça, Pablo, quand on a préparé, tu m'as parlé de ça. Et alors là, vraiment, c'est super intéressant. Et ce discours-là, il change de tout ce que j'ai pu entendre avant. Et le multimédia, en vrai, j'en ai pas entendu parler depuis 20 ans, grosso modo, depuis, tu sais, l'ordinateur personnel, les CD-ROM. Et en fait, et donc ce qui va être intéressant, ça va être justement multimédia, et que tu nous fasses bien la distinction avec multimodal. Mais en tout cas, vas-y, on t'écoute, c'est hyper Bien intéressant. sûr. Oui, donc multimodal, enfin, tout ça, c'est des termes, en plus, ils changent tout le temps. Mais l'idée, c'est qu'est-ce qu'on met comme données d'entraînement et qu'est-ce qu'on met comme données pour contrôler le output du système.
Nous, là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a eu un travail très fort qui a été fait pendant vraiment des années sur la génération, la compréhension, la synthèse, la génération de texte et de speech, enfin de parole, de vocal. Mais On a hacké le langage un petit peu. on peut le voir comme ça, exactement. Et en fait, avec les GANs, on commençait à faire pas mal de choses assez intéressantes sur l'image. Mais une des grandes révolutions qui a vraiment, je pense, touché le monde, et c'est là où on a vu les industries créatives réagir de façon très violente. Donc, il y a eu une première vague il y a quelques années sur le deepfake, sur les gens. Mais tout d'un coup, l'année dernière, à peu près, oui, il y a un an, il y a DALL-E 2 qui sort. Et tout d'un coup, on se rend compte que les industries créatives de l'image vont commencer à être impacté. En fait, on peut commencer à créer des choses, et ça, c'est les nouveaux modèles de diffusion. Donc, ça, c'est une technologie qui traînait depuis quelques années, mais qui n'a vraiment trouvé sa prominence que l'année dernière. Et on voit tout de suite, en quelques mois seulement, comment on passe de DALL-E 2 à Stable Diffusion, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et apparaissent en moins d'un an, enfin là, dans l'année qui vient, là, on a Midjourney qui sort, on a Stability qui sort, on a RunwayML qui commence à faire des choses très intéressantes sur l'édition de vidéos qui sortent. Tout ça basé sur la nouvelle pointe de la technologie là-dessus, sur la partie multimédia, comme je dis, et là, en particulier l'image et la vidéo, la diffusion. Ok, fascinant. Et en fait, Comme le dit, comme le dit Elon Musk en 2024 aux États-Unis, qui sera le prochain président Transformer ou Diffusion? bah, l'un n'empêche pas l'autre, dans le sens, les deux sont basés sur des transformers. C'est juste que c'est pas la même, c'est pas la même chose, quoi. Bon, on parle pas de la même chose. L'un, c'est comment on dessine, on va dire, ou comment on produit, comment on génère, alors que l'autre, c'est l'infrastructure de nos modèles, enfin, de neuronaux, quoi. Donc, oui, en effet, les modèles neuronaux depuis 2017 avec Attention is All You Need. La plupart sont maintenant basés sur des transformers. Encore une fois, ça, c'est très énergivore, ou en tout cas en termes de puissance de calcul. Mais en revanche, c'est très efficace. Donc, c'est aussi pour ça que les coûts ont explosé, mais c'est aussi pour ça que les performances ont explosé. Et en fait, c'est une des choses qui est vraiment intéressante, c'est que pour un investisseur, c'est presque mécanique aujourd'hui. Plus on investit en termes de taille de données, en termes de calcul, plus le résultat est bon. Et on peut presque faire une courbe comme ça. Et c'est là aussi où, du point de vue de l'investisseur, il faut une certaine conviction, une ambition en disant, OK, c'est là où je veux arriver, et donc ça veut dire qu'il va falloir investir tant. Et une fois qu'on peut arriver là, on peut débloquer toute une chose au niveau industriel, au niveau de qualité, au niveau économique, de valeur qu'on déploie. Donc, ce que je On voulais. retrouve la logique du projet Manhattan là-dessus, Oui, tout à fait. absolument. Et donc, c'est vraiment dans cette lignée-là que nous, on se présente et on dit, bah, la prochaine vague, elle est dans le multimédia, elle est dans la génération de vidéos, d'images, de sons. Et d'ailleurs, ce n'est pas étonnant puisque la plupart du contenu aujourd'hui en ligne, et en tout cas la partie qui croît de loin le plus, elle est dans ce monde-là, aussi dans le jeu vidéo et dans le 3D. Tout ça, c'est ce qu'on inclut dans le multimédia. Donc, elle est dans la génération de ce type-là de contenu et pas que du texte. Et aussi, c'est la partie où les gens passent de plus en plus de temps. Donc, en fait, c'est vraiment la nouvelle frontière et dans la demande et dans la capacité technologique. Et aussi, en termes de technologie, ça va aussi coûter pas mal de le faire parce que ce sont des choses qui sont très lourdes en données. Mais c'est vraiment la nouvelle frontière en termes et de demande et de technologie. Première chose. La deuxième chose qui, je pense, est la révolution qui est arrivée avec ChatGPT, c'était de se rendre compte qu'aujourd'hui, les modèles, la façon dont on parle d'eux ou on pense, ressemblent à notre avis. Comme dit, j'adore, ça c'est Jonathan, il parle de. Aujourd'hui, ça ressemble à the mainframe computer. Et il faut vraiment. L'ordinateur a vraiment changé la vie de tout le monde le jour où on est passé au personal computer. D'ailleurs, c'était une des Bien grandes sûr. révolutions d'Apple de faire ça. Et nous, c'est vraiment un peu la vision qu'on a derrière cette IA, c'est de se dire, bah, on va probablement pas avoir cette vision d'un gros monolithe, le cerveau A, le cerveau B, le cerveau C, on l'utilise un peu comme IBM dans les années 50, 60, enfin, 70. Mais on va tout le monde avoir ces IA personnalisés, qui sont vraiment l'équivalent du personal computer, qui vont nous aider à la gestion, à la processing et à la création de nos informations, et elles nous ressemblent exactement comme notre ordinateur. Ces Donc, IA, son modèle, on oui, peut dire son absolument. propre modèle, ah, tout à fait. Absolument. Il faut que tout le monde ait son propre modèle, absolument. Même plus que le modèle, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire exactement le modèle, il y aura plusieurs modèles, mais son propre moteur, on va dire, dans lequel il y a ses Ok. données et son truc. Exactement. Donc moi, je vois l'IA comme un moteur, comme l'ordinateur est un moteur, mais c'est un moteur maintenant de process d'information qui est aussi génératif, comme on a dit dès le début. Et donc, il faut que chacun ait son propre moteur où il a ses données, il existe, il a fa sa façon de penser, et ainsi de suite. Ce soit vraiment une sorte de co-créateur de contenu, une co-gestionnaire de l'information qu'on a. Donc, voilà les deux grandes, on va dire,
philosophie qu'on a derrière notre vision à Rave, c'est la première, la nouvelle frontière, c'est le multimédia. Et la deuxième chose qui est clé, c'est le personnaliser, aller dans la, voilà, faire l'équivalent du mainframe computer, passage à la personal computer. Voilà. Et donc, du coup, ça veut dire qu'en gros, ce qu'on est en train de construire avec Grave, c'est une sorte de chat GPT du multimédia. C'est-à-dire que tout le monde l'ait dans sa main et on puisse commencer à créer du contenu, on puisse commencer à explorer du contenu qui soit multimédia. Donc, de l'image aujourd'hui, demain de la vidéo, après-demain, même du jeu, du son, et ainsi de suite. Et que ce soit vraiment une sorte de voilà, de l'engin de notre façon de processer l'information, de la créer, de la générer dans les canaux qui nous intéressent. Et comme je dis, de plus en plus, les canaux qui intéressent les gens, ce n'est pas que le texte, c'est l'image, la vidéo et même le jeu et autres. Une des différences qui est clé entre le monde du texte et le monde de l'image et de l'image du reste des médias, c'est qu'il y a très peu de gens qui ont mis des procès à Anthropic, OpenAI et ainsi de suite pour avoir siphonné l'Internet entièrement en lisant du texte pour entraîner leurs large language models. Et c'est normal parce que les mots, personne ne les possède. Alors, ceux qui l'ont fait, c'est Copilot avec le code. En disant, les codeurs, ils ont mis un procès en disant à GitHub, Microsoft et OpenAI en l'occurrence, en disant, bah, regardez, vous êtes en train de voler notre code. Moi, je suis un créateur, en l'occurrence de contenu voilà, d'ingénierie, on est en train de le voler, on ne m'a pas demandé, j'ai un copyright là-dessus, et ainsi de suite. Mais ça, c'est la seule exception, on va dire, qui confirme la règle que dans le monde du texte, ce n'est pas un problème. En revanche, dans le monde de l'image, à peine DALL-E 2 et ainsi de suite sont sortis. Aujourd'hui, ils ont absolument tous des procès pour copyright infringement. Donc, Midjourney, Stability, même Runway ML de façon indirecte, parce qu'ils sont aussi, ils ont fait Stable Diffusion, OpenAI avec DALL-E 2. D'ailleurs, si vous allez sur DALL-E 2 aujourd'hui, il y a plein de choses que vous ne pouvez plus demander, parce qu'il y a écrit Bien Against Content sûr. avec tous les procès qu'ils ont fait. Et donc, pour nous, en fait, ça, c'est un des problèmes clés qu'on va Et dans. t'as raison, t'as raison. Et ils ont évolué très vite, hein, et ils ont bridé les modèles. Et après, c'est vrai que si on avait quelques exemples qui étaient frappants, notamment le logo, le watermark Getty Images qui ressortait, qu'on voyait sur toutes les images. Après, d'autres acteurs qui ont pris des chemins un petit peu différents, notamment Shutterstock. C'est ça. Mais oui, tout à fait. Donc sur l'image, image, mais certainement aussi musique, Hollywood, les des guildes qui sont assez excités en tout cas sur le sujet. Oui, donc moi je pense que la chose qui est fondamentale à comprendre ici, c'est que toutes les industries créatives qui sont sur le point ou sont déjà en train d'être absolument mais bouleversées, transformées par la façon dont on produit le contenu dans les industries créatives, donc les industries dont le cœur du métier c'est le média, on va dire, la production de contenu va être complètement transformée par l'intelligence artificielle. C'est très probable que dans 5 ans, la plupart du contenu soit produit ou co-créé, on va dire, par une intelligence artificielle, que le prochain film Avatar, tous les effets spéciaux soient faits par l'intelligence artificielle, c'est très probable. Mais en fait, c'est pas qu'une histoire de génération du contenu, c'est aussi une histoire de consommation du contenu ou de qui le produit et comment. Et je pense que l'exemple de Drake, la chanson de Drake, est vraiment parfaite là-dessus. Toute l'industrie aujourd'hui des médias, en fait, est basée sur la collecte de dividendes de la possession du médium. Donc je dis, bah voilà, moi j'ai cette chanson, j'ai le droit à des royalties, je les touche, donc c'est moi qui ai le détenteur de droit, c'est entre l'artiste et le producteur, le label, et ainsi de suite. C'est la même chose dans l'image, c'est la même chose dans la vidéo. Et tout d'un coup, avec l'intelligence artificielle, on peut arriver et produire des sortes de dérivés qui ne sont plus une copie. C'est ça le problème, c'est pas une copie. Donc ils mettent tous des procès pour copyright infringement, mais on peut toujours aller dire, bah oui, mais regarde, c'est pas la même chose. Donc il y a un problème profond de dire, c'est quoi le droit d'auteur? D'ailleurs, le droit d'auteur a été créé pour ça. Et pour moi, ça ressemble vraiment à un. Et le droit d'auteur, je me suis renseigné là-dessus, le droit d'auteur aux États-Unis, Copyright Office, c'est 1976, hein, enfin, donc c'est très vieux au niveau de la régulation. Oui, mais en fait, ça remonte à encore plus loin. Le droit d'auteur, en fait, il a émergé avec l'imprimerie. Et en fait, c'est un truc assez similaire qu'on est en train d'avoir. Ce moment de ça, c'est une histoire de Gutenberg, un peu ce qui est en train de se produire. C'est-à-dire que quand on a pu commencer à faire de l'impression de livres, tout d'un coup, les gens développaient des technologies, donc les éditeurs ou les imprimeurs. À l'époque, ça leur coûtait cher. C'était la pointe de la technologie de l'époque, faire de l'imprimerie. Et ils se disaient, bah, je veux pouvoir protéger ce que je suis en train de faire. Donc, je vais avoir une sorte d'exclusivité sur le livre que je fais. Donc, ça, c'est leur droit. Et après, ils ont dit, oui, mais le contenu du livre que je fais, bah, je veux aussi le protéger pour l'auteur qui fait. Donc, on crée le droit d'auteur et le droit d'éditeur à la fois, de façon conjointe, en disant, voilà, ça, c'est la propriété intellectuelle de cette chose. On ne peut pas copier
outil d'information ou cette création. Et ben en fait, on est dans un monde assez similaire. Déjà, on l'a vu de façon répétitive dans l'histoire avec la musique. Quand on est capable de transcrire de la musique, de la poser sur un record, on a le record label qui apparaît avec le droit de l'auteur et puis de le compositeur et tous ces problèmes. Et aujourd'hui, il y a toute une problématique de justice. Est-ce que c'est assez? Enfin, ça, c'est tout un autre problème. Mais à chaque fois qu'on a un nouveau médium qui apparaît, pareil avec le film, le cinéma, enfin, absolument tous les nouveaux médiums, il y a cette création d'un droit de propriété intellectuelle entre les gens qui l'éditent et les gens qui sont les auteurs du truc dans le sens le plus large. Je pense que c'est exactement ce qui est en train de se produire ou ce qui doit se produire avec l'intelligence artificielle parce qu'aujourd'hui, la chanson de Drake, donc je ne sais pas si tout le monde est au courant de ça, mais il y a une chanson qui a vraiment très très bien marché, qui a été faite par intelligence artificielle sans demander à Drake, en copiant le style de Drake, en utilisant la voix de synthèse de Drake et ainsi de suite. Et en fait, ils n'arrivent pas, personne n'arrive à la retirer parce qu'il n'y a pas de droit clair sur qui la possède. Donc, ils ont pas... Donc aujourd'hui, elle gagne de l'argent, cette chanson. Elle imite Drake et Universal n'arrive pas à la sortir, Drake n'arrive pas à la sortir. Et en fait, on est en train de toucher au cœur de justement ce que je disais, ces industries aujourd'hui fonctionnent par la collecte de dividendes de ce qu'ils possèdent. Et le problème, c'est qu'ils ne possèdent pas ces intelligences artificielles. Il n'y a pas de... Exactement comme se dire, c'est un nouveau médium. On va le posséder. Il n'y a pas une sorte de IA officielle de Drake sur laquelle Drake peut commencer à collecter des dividendes. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une réaction vraiment véhémente de toute l'industrie créative, parce qu'ils sentent que tout leur business model, il est en train d'être bouleversé. Et nous, en fait, Et c'est là, Pablo, que tu m'as dit que autant tu avais des doutes un petit peu sur le business model des LLM aujourd'hui, en dehors peut-être d'un rachat ou en tout cas de faire exploser la capitalisation boursière des GAFAM. Mais que toi, par contre, là, ce que je comprends bien, donc dans ce cas-là, c'est que toi, tu es directement sur cette industrie, sur ces droits, sur cette billion dollar industrie, en fait, du média. Voilà, industry, pour être précis là-dessus. Mais en effet, en fait, nous, donc avec Rave, notre vision, c'est de dire, OK, il faut faire des modèles de fondation d'IA générative multimédia. Il faut qu'on puisse les personnaliser. Il faut qu'on puisse les mettre dans la main de tout le monde. Et il faut aussi qu'on puisse résoudre le problème des droits. Parce que c'est en fait le cœur du métier de tout ce qui est dans le multimédia. Et si on ne résout pas ça, on ne peut pas permettre à chacun d'exprimer ses références culturelles et que ce soit juste vis-à-vis de l'industrie créative. Donc on est vraiment dans Oui, la... mais ça, Pablo, ça c'est vertigineux parce que ce problème des droits et sur du multimédia et des objets digitaux, à la base, quand tu me dis ça, je pense à Napster, tu vois, Exactement. et après, fast forward, je pense au NFT, quoi, tu vois, pratiquement, en fait, Moi, je et pense après, je vois toute cette génération arriver, et tu penses que, et ensuite, cette génération, cette abondance artificielle, avec toutes les copies dont tu as parlé, toute cette génération qui fait que ces médias peuvent être générés à l'infini, et donc, toi, tu arrives aujourd'hui pour résoudre ce problème. Absolument, en fait, nous, on a vu ça, on s'est dit, ça, c'est Napster Pirate Bay. Et il faut absolument créer le iTunes Spotify de l'IA générative. Absolument. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, on se C'est positionne. déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Voilà. C'est excellent. Il faut absolument proposer un business model qui est respectueux de la créativité. Il faut absolument ne pas se positionner comme Stability AI. Respectueux de la créativité et pour les artistes, comme tu me l'avais dit. Ouais, non, mais je trouve que t'es hyper en avance, en fait, Je ne sais pas si c'est le cas, là-dessus. mais en tout cas, c'est vraiment notre philosophie dès le début, dès le départ. On a développé des technologies qui permettent de faire de la traçabilité, qui permettent de faire de l'attribution, qui permettent de dire ça, c'est une IA de tel artiste, ça, c'est une IA de telle autre personne. Aussi de résoudre le problème de la privacy, dans le sens, moi, si j'ai une sorte d'avatar IA, je suis une personne, est-ce que j'ai envie que tout le monde puisse faire des copies de moi? Donc, c'est un peu le problème du deepfake, on va dire. Est-ce que je peux avoir mon IA qui est privée? Est-ce que quelqu'un qui veut être public, justement, peut avoir une IA publique et donner avec une sorte de licence pour pouvoir collecter des dividendes dessus qui sont justes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, c'est exactement le type de technologie qu'on développe qui sont, en fait, pour nous, une sorte d'infrastructure de l'industrie de la créativité de demain. Donc, ça dit, voilà, il y aura une infrastructure de IA générative, il y aura une infrastructure de modularité, de personnalisation, il y aura une infrastructure de traçabilité, il y aura une infrastructure de paiement, et ainsi de suite, et de droit qui est associé avec tout ça. C'est exactement ça.
Ah, génial. Mais explique-nous alors, Pablo, c'est quoi? C'est du watermarking? Comment tu fais pour identifier tout Non, ça? pas du tout. On crée une IA, donc pour prendre l'exemple de Drake, on pourrait très bien dire, bah voilà l'IA de Drake. Et si quelqu'un veut utiliser cette IA de façon officielle, et bah, il doit payer Drake. Et alors il y a toute une question de qu'est-ce que ça veut dire de l'IA de Drake, dans quelles conditions elle peut être utilisée, parce qu'il y a aussi ce problème que les artistes sont en mode je veux protéger ce que je fais. Mais en fait, en même temps, aujourd'hui, on peut facilement les copier ou faire des dérivés. Et en fait, je pense que ça ressemble beaucoup à une histoire de trademark, quelque part. On a vu ça, par exemple, avec Lego. Donc, par exemple, Lego était en train de faire presque faillite il y a 20 ans, jusqu'au jour où ils se sont dit, mais en fait, les briques, c'est bien, mais ce que les gens aiment, c'est vraiment les références culturelles qui les intéressent. Et donc, ils ont commencé à faire des Lego Star Wars, des Lego Indiana Bien sûr. Jones. Et en fait, tout d'un coup, ça a explosé, parce que ce que les gens voulaient, c'était créer et jouer, en l'occurrence les enfants, mais jouer avec les univers qui leur parlent, en fait. Et en fait, c'est ça ce qu'on est dans le monde de la créativité. Et d'ailleurs, dans l'information aussi, c'est pas tout le contenu a la même valeur. Dans la créativité, il y a des IPs qui ont beaucoup de valeur parce que ce sont des univers que les gens aiment et veulent interagir, avec lesquels ils veulent interagir. Pareil dans l'information, d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui sont là-bas et qui n'ont pas beaucoup de valeur ou d'information. Et parfois, l'information correcte, exacte, précise, ça a beaucoup de valeur. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je pense. Il y a eu des problèmes quand ils ont commencé à lancer le search avec les LLM, c'est parce que les LLM ne sont pas forcément faits, ils ne sont pas construits pour donner l'information précise. Donc, par exemple, quand Google a lancé leur propre LLM sur leur search et qu'il a menti, voilà, boum, on voit la capitalisation boursière qui perd 100 milliards de dollars en un jour. 100 milliards, ils nous ont Énorme. trouvé une planète qui n'existait pas. Ouais, tout Voilà, à fait. mais bon. Si on revient à comment ça peut marcher, ben on pourrait se dire, ben voilà, ça c'est l'idée officielle de Drake. Tous les produits qui sont dérivés de ça, ils sont d'ailleurs contrôlés et on peut l'utiliser. Et à l'utilisation, il y a une sorte de licence qui permet à Drake de retoucher des royalties. Donc, en fait, on a déjà vu ça. Comme je dis, on ne réinvente pas la roue. C'est exactement ce que les gens font déjà aujourd'hui, par exemple avec le streaming, en disant, ben voilà, la chanson de Drake, je l'écoute, je paye Drake, c'est normal. Et ben c'est un peu la même chose. Voilà l'IA de Drake. Bah, je l'utilise, je paye Drake. C'est aussi simple que ça. En revanche, il faut Mais donc créer toi, toute une tu proposes une plateforme, en fait, alors. Exactement. Donc, Rave, c'est une plateforme où on aura un catalogue. On peut être les premiers à avoir un catalogue d'IA qui sont du contenu. Donc, des IA de la NBA, de Drake, enfin, du contenu que les gens aiment et avec lequel on peut interagir. Et donc, c'est vraiment, pour nous, cette vision, c'est de se dire, grâce à l'IA, les médias de demain pourront être interactifs. Je peux me mettre dans le film que je veux. Je peux interagir avec les choses, je peux créer, je peux imaginer, je peux combiner. C'est des sortes de Lego digitaux de ce qu'on veut. Et comme Lego, ils ont pris de la valeur avec la valeur des univers qu'ils représentent. Excellent, excellent, parce que tu vois, ah oui, je vois très bien. Quand tu dis ça, je pense à Grimes, tu sais, qui elle Exactement. proposait très tôt de partager ses droits et de court-circuiter un petit peu les labels, mais je pense aussi à. Et Matt Mostak, tu vois, de Stability, qui donnait le dis qui disait ce que tu disais tout à l'heure, qui était que dans quelques années ou quelques mois, chacun pourrait générer son propre film, son propre Netflix. Et en fait, ça, c'est bien de l'entendre. Il est assez visionnaire, mais en fait, je pense que on s'en rapproche. Mais une fois qu'on le génère, tu as raison, il faut aller un peu plus loin et c'est la question des droits. Comment ça se passe Exactement. derrière? Donc, Stability, c'est vraiment présenté en mode j'arrive dans l'industrie créative, je peux générer des images et sue me if you can. C'est un peu exactement ce que et nous, on se présente de façon complètement différente. On veut être vraiment une réponse de l'industrie créative. Voilà comment on veut fonctionner avec l'industrie créative dans l'IA générative. Voilà comment ça va être l'avenir, quoi. L'avenir de. Même Adobe a fait la même chose avec Firefly, hein, en Exactement. disant En même temps, si jamais on vous poursuit en justice sur vos créations, on paye les travaux juridiques, quoi, grosso modo. Mais exact. donc Et toi ça, tu toi mais toi tu passes en amont, en fait, avec mais non, parce mais que donc en fait. et tu discutes avec qui? Avec les labels, avec les artistes, Avec tous. Avec les détenteurs de droits. On est en train de parler à exactement tous détenteur de ces. droit. Ok. Voilà. C'est exactement ça. Et alors, je pense qu'il y a un point très important qui vient d'être référencé. Donc, moi, je pense que Midjourney, Stability et ainsi de suite, ils se présentent aussi un peu comme, et RunYML, ils se présentent un peu comme des éditeurs, des compétiteurs, en fait, à Adobe, de façon frontale, ou aux effets spéciaux pour Runway. Et,
Et nous, on s'est positionné dès le début de façon un peu différente en disant, certes, l'édition et la production de contenu professionnel va être bouleversée par l'IA, par l'IA, c'est sûr, générative. En revanche, bah, c'est déjà une compétition, en gros, à baisser les coûts de production, quelque part. Et nous, on s'est dit, mais il y a vraiment un truc qui change, qui est nouveau avec l'IA générative, c'est de donner la capacité à tout le monde d'exprimer des choses qu'ils ne pouvaient pas faire avant. C'était trop dur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'industrie, elle est basée sur la possession de ce contenu, parce qu'il est dur à faire. Mais pourtant, on sait que c'est très humain. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'est pour ça que notre logo, c'est une main comme ça. C'est la façon dont on définit l'être humain, en fait. La culture, on la définit à partir du moment où on voit dans les grottes de Lascaux une expression humaine créative peinte. C'est vraiment une sorte de besoin humain fondamental, l'expression créative. Et c'est presque ce qui nous caractérise en tant qu'être humain. Et d'ailleurs, je pense qu'un exemple qui est intéressant là-dessus, c'est que tous les enfants sur Terre dessinent. Vraiment une chose vraiment humaine, quoi. Et pourtant, la plupart, on arrête. Et pour nous, on s'est un peu dit, moi, quand je vois ça, ça me fait un peu penser, d'ailleurs, Jonathan et moi, on dessinait beaucoup quand on était petits. Et c'était un peu une histoire de. Ça me rappelle la citation de Saint-Exupéry qui dit, c'est Mozart assassiné. J'ai l'impression que la difficulté aujourd'hui de produire, d'exprimer notre créativité, elle est très bridée pour plein de raisons, parce que ce n'est pas toujours productif dans la société, mais c'est aussi parce que c'est dur à faire. Et en fait, on voit dans l'IA générative le potentiel de vraiment redonner cette sorte de pinceau à tout le monde, et de ne pas assassiner le Mozart, mais de le permettre de s'exprimer. Ça ne veut pas dire que tout le monde est un. Écoute, c'est super, super image, Pablo, et je suis persuadé de ça. Il y a des expériences hein, scientifiques là-dessus et psychologiques aussi qui te montrent que, grosso modo, ben, plus tu as fait d'études, grosso modo, de temps en temps, plus tu as un diplôme élevé, moins tu es capable en fait d'imaginer des solutions créatives sur certains tests, grosso modo, enfin, et que tu arrives un petit peu dans un carcan. Non, je trouve ça, c'est un super exemple. Et en effet, il faut conserver un petit peu son âme d'enfant. Et ton exemple du Mozart assassiné, c'est excellent. Pablo, donc, mais cette plateforme là dont tu nous parles, cette plateforme avec de l'IA, je pose jamais cette question, mais pour le coup, j'imagine que c'est quelque chose quand même qui demande quand même des capitaux pour créer ça. Enfin, donc vous avez levé des fonds dans la vallée pour faire tout ça. Parce que là, pour le coup, pour un projet comme ça, un projet aussi ambitieux, je pense que tu as ce besoin à la fois côté LLM et côté plateforme, si on parle de Spotify ou iTunes. Alors, je ne vais pas parler montant pour l'instant, justement parce Non, qu'on se c'est prépare. pas ce que je te demande. C'est pas ce que je te demande. Mais en effet, donc de façon très simple, en effet, il faut des montants absolument conséquents pour réussir à gagner une course pareille. D'ailleurs, il suffit de voir ce que nos Mais compétiteurs ont parce que levé. Hein. ça veut dire les relations avec tous les médias, tous les ayants droit dont tu parlais, les droits d'auteur, et ça veut dire aussi, après, est-ce que tu as un besoin sur des GPU? Bah absolument. Donc, c'est ce que je dis. Il suffit de voir. On est avant tout une entreprise de foundation models. On a des technologies différenciées qui nous permettent de les rendre plus modulaires. On doit être à la pointe des dernières avancées de foundation models dans le multimédia. Aujourd'hui, il n'y en a pas vraiment beaucoup. Enfin, si, il y en a, mais y en a, surtout chez Imagen, chez Google et ainsi de suite. Ça demande des capitaux conséquents. Il suffit de voir, comme je dis, nos compétiteurs qui ont à peu près tous levé 100 millions de dollars ou plus. C'est exactement dans cette ligue-là qu'il va falloir pour gagner, on va dire. Absolument. Donc, après, comme je disais, on va discuter de montant tout de suite parce qu'on est en train de se préparer à Non. une. Mais je peux dire que justement, on est en train de ramener l'appui des gens et de la vallée, des grands fonds américains et surtout aussi de business angels importants, mais aussi des gens du monde de la créativité, des artistes, enfin, voilà, des artistes. Des gens plus stratégiques dans ces milieux-là, pour faire une réponse un peu, on va dire, comme Spotify a fait sa propre réponse. Enfin, le succès de Spotify a été aussi fait parce que les grands labels ont investi dans Spotify, en disant, bon, ben voilà, ça va être Ah notre prochaine plateforme de distribution. Donc, nous, c'est un peu la même façon de réfléchir. On est en train de trouver des alliés dans les industries créatives à un niveau vraiment conséquent pour qu'ils fassent partie dès le début du projet. Et qui fasse, voilà, c'est absolument, on est en train de faire ça, et ouais. les choses doivent être conséquents pour pouvoir gagner, absolument. Ah ouais, bien sûr. Excellent, écoute, hyper intéressant. Ça me fait penser, oui, à
des guys aux séries, tu sais, le manager de Madonna, ou à des. Il y avait qui est hyper influent. Ça me fait penser aussi, tu sais, à la personne qui avait vendu qui avait vendu le à Apple la plateforme musicale, un producteur, la Jimmy Levine, ou je sais plus quoi. Oui, non, mais donc je comprends que tu as besoin de t'entourer en tout cas de ces talents. Et vous êtes combien dans l'équipe aujourd'hui à San Francisco? Non, donc alors on est combien? On est 7 actuellement en full time chez nous, un peu répartis entre 3 qui sont à San Francisco et d'autres qui sont un peu en train de. On est un peu partout et sur la côte ouest et sur la côte est et en France. Et d'ailleurs, partie de nos plans, c'est de créer un centre en France parce que moi j'adorerais. C'est ma façon Génial. aussi de rendre, on va dire. Je suis quand même polytechnicien et c'est pas. Enfin. C'est une chance en fait de pouvoir se dire waouh, les dernières, la pointe de cette technologie, elle a été vraiment développée à Silicon Valley. Mais je pense que la France, elle a une carte vraiment intéressante à jouer aussi, qui est celle du. La France, on est les meilleurs sur Terre à deux choses. Enfin, peut-être faire la grève aussi, c'est une troisième, mais à part ça, on est vraiment les meilleurs sur Terre en culture. Je pense qu'on est le pays le plus En disposé. émeute, en émeute, on est pas mal aussi récemment. Non, mais en culture, on est vraiment le pays le plus visité sur Terre. On est le pays avec les plus grandes références culturelles en termes de patrimoine public, le Louvre, enfin bref, Notre-Dame et ainsi de suite, mais aussi en termes de marques. Donc les LVMH, les Kering et ainsi de suite, enfin, c'est vraiment des marques qui ont un rayonnement mondial pour la France. Ça contribue à faire que dans le monde entier, voilà, les gens vont venir en France. Et d'ailleurs, si on englobe tout ça dans la partie culture, donc le luxe, bien sûr le cinéma, Cannes et ainsi de suite, mais le tourisme aussi qui en découle, on va dire, ou qui fait l'attrait de la chose, littéralement, c'est le plus gros secteur de l'économie française. Oui, tout Donc, à fait, tout à fait, tout à fait. donc on On est. est, c'est notre futur. Mais Donc on est. justement, pour l'anecdote, Pablo donc a accepté de faire le podcast en me demandant un service que j'ai accepté avant qu'il me dise lequel, qui était de lui trouver un petit peu donc de réunir les passionnés de l'IA et de la culture en France. Et en fait, il se trouve qu'il y en a plein, et j'ai déjà parlé à plein de personnes là-dessus. Il y a Raphaël Dohan, il y a Paul Mougineau, il y a Florent Fac avec Pimento. En fait, ce qui est marrant, Pablo, c'est que justement, il y a plein d'acteurs qui créent des projets là-dessus, hyper puissants. Il y a Valentin Schmitt avec Askmena, et je sais même d'ailleurs que tu vois, la ministre de la Culture, Rima, s'intéresse énormément à ce sujet, hein. Aujourd'hui, c'est pas du tout un truc pris à la légère. Donc Exactement, je pense. c'est trop cool, Pablo, super cool. Et toi, étant aux États-Unis, faire ce pont, c'est extraordinaire. On serait prêt. Enfin, absolument. Comme je dis, nous, on veut. Je suis aux États-Unis. Là, je suis en France quand je parle. Notre équipe, elle Oui, tout à part fait. de notre équipe française. On est en train de construire Enfin, on veut développer un centre ici, justement, d'IA pour la culture. Parce qu'il me semble que c'est une des cartes à jouer où la France, on est les meilleurs en culture et on est aussi les meilleurs en maths. C'est juste statistique, on a le plus de médailles Fields par capita sur Terre. On n'a peut-être pas la puissance de calcul des autres, on n'a peut-être pas l'expérience, du coup, le sort de savoir-faire en IA. Il faut développer beaucoup de capitaux et être prêt à cramer des centaines, enfin, en tout cas, des dizaines de millions de dollars en GPUs pour commencer à arriver à ce genre de savoir-faire. Mais on a vraiment une carte à jouer en se disant, mais waouh, la France, qui est un des pays du rayonnement culturel le plus fort, pourrait très bien être parmi les premiers ou si ce n'est même le premier, le leader mondial, on va dire, faire sa présence culturelle dans l'IA. Donc, je sais pas, faire l'IA du Louvre, faire l'IA de LVMH, de certains groupes, de certaines choses, pour que être voilà, pionnier dans l'IA et la culture. Et ça, je pense que ça peut être quelque chose de magnifique pour le rayonnement de la France. Et c'est quelque chose, en tout cas, que moi, on s'est dit dès le début avec Jonathan, on a des investisseurs qui sont liés à la culture en France, dans notre cap table dès maintenant, et c'est ce que nous on aimerait faire. On aimerait développer les outils là où il faut pour les développer en termes de là où il y a les meilleurs sur Terre pour les faire. Mais une des choses qui est super différenciée et super intéressante, c'est justement allons là où il y a les meilleurs. Et en culture, les meilleurs c'est en France. Donc c'est et comme nous on fait de l'IA pour la culture en grande partie, on est absolument en train de travailler là-dessus aussi. Ah, mais c'est très très cool, très très smart. En effet, c'est là qu'on a nos forces. Mais alors,
De l'autre côté, Pablo, donc avançons un petit peu là-dessus. Comment est-ce que tu vois, par exemple, donc ça c'est sûr, on peut gagner quelque chose sur l'IA et la culture, j'en suis aussi convaincu. Est-ce que tu penses de l'autre côté qu'il nous faut des modèles souverains? Qu'est-ce que tu penses de la levée de fonds, notamment de Mistral, par exemple? Alors c'est top, tu as déjà mentionné plusieurs personnes qui étaient de mon année à l'école polytechnique. Donc c'est tous mes camarades de classe, la plupart de ceux de Mistral aussi. Donc... Ça c'est assez incroyable, et je parlais à une jeune femme qui s'appelle Sophie, qui s'occupe d'une association XAI qui est formidable. Et en fait, c'est vrai que dans les années 2010, autour de 2010, là, 2011, tout ça, il y a des polytechniciens de partout dans l'intelligence artificielle. On Il y est a tous dans Stanislas la folie de France. Pelu, il y a Stanislas Pelu avec Deus, il y a toi, il y a, enfin vraiment, vous êtes très très bien représentés. Ouais, c'est super sympa de voir ses camarades de classe. Enfin, ouais, la promotion 2011 est particulièrement bien représentée. Et c'est génial parce qu'en fait, justement, par exemple, Mistral, je trouve que c'est, par exemple, nous, on se positionne de façon très complémentaire, en fait. Mistral, ils sont vraiment dans le texte et ils sont vraiment dans la carte souveraine, alors que nous, on est vraiment dans le multimédia et on est vraiment dans la carte du consumer. Et du rayonnement, on va dire. Donc, c'est vraiment ultra complémentaire. Oui, je pense que cette histoire de souveraineté, elle se pose, mais en fait, depuis longtemps. C'est déjà le cœur de la guerre entre les États-Unis et la Chine sur cette histoire de l'IA. C'est déjà l'accès au compute, hein, à la puissance de calcul. C'est aussi pour ça qu'il y a toute cette guerre aussi pour le développement des meilleurs chips. Et ouais, c'est pour ça qu'il y a des sanctions, des mesures de restriction de, on va dire, je ne sais pas si le bon terme c'est espionnage industriel ici, mais en tout cas de transfert de connaissances industrielles entre la Chine, les États-Unis, vis-à-vis des dernières cartes graphiques et des dernières technologies de processeurs et ainsi de suite. Donc c'est vraiment le nerf de la guerre, il est déjà là depuis des années. Aujourd'hui, C'est un énorme problème, hein. Mais justement, merci parce que je fais une parenthèse là-dessus. Donc, il y a quand même un ban dont on n'est pas forcément au courant, hein, sur la Chine qui ne peut pas acheter de processeurs de GPU Nvidia, en fait, depuis quelques temps, hein, même plus d'un an. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas avoir les dernières générations, notamment les H100. Ils ont des A800, H800. On a appris récemment qu'ils utilisaient des solutions de contournement en passant par le cloud là-dessus. Et ça, c'est aussi en train d'être interdit. Donc la bataille, elle est très profonde. Alors qu'il y a 2 semaines, on apprenait que ByteDance, donc la boîte mère de TikTok, avait acheté 1 milliard de dollars de GPU. oui, voilà, exact. Et donc c'est une des choses qui est en train de, c'est une des cartes en fait de cette souveraineté qui est en train d'être proposée avec Mistral. Il y a toujours le risque, au fond, un des risques derrière ça, c'est la souveraineté, elle est dans la capacité à maîtriser la pointe de la technologie. Ça me fait vraiment penser à l'histoire de la Space Race et du discours de Kennedy, qui disait si on veut se garantir que l'espace va être un endroit de paix et pas un endroit de guerre, on se doit, on ne peut pas garantir ça sans être nous les meilleurs. Et les premiers à être présents dans l'espace. C'est nous qui devons dicter cet agenda. Et en fait, c'est un peu des grands problèmes avec l'Europe aujourd'hui, c'est que certes, ils essaient de réguler, enfin, ils régulent, mais il faut être à la pointe, il faut être le meilleur dans sa technologie et mener la technologie pour pouvoir être en mesure de justement garantir cette souveraineté. C'est presque une histoire de dialogue médian, dans le sens, si on n'est pas bon, si on n'est pas à la pointe de cette technologie, on n'est pas souverain. Donc, on peut. Évidemment, c'est quelque chose que moi je répète souvent ici. C'est une phrase que j'avais vue de Eric Schmidt, l'ancien CEO de Google. C'est pas forcément lui qui a inventé ça, mais c'est aux États-Unis, toutes les organisations, c'est growth and ethics. Il n'y a jamais éthique tout seul, régulation tout seul, c'est croissance et éthique. Et ça fonctionne comme ça. Et c'est en étant sur la croissance et en avance sur la technologie que tu as ton mot à dire en fait sur la régulation. Et ça, c'est quand même un message hyper important. Absolument. Et donc, je pense que la souveraineté, au fond, elle n'a la vraie souveraineté, c'est la capacité d'avoir le talent humain et les compétences techniques et technologiques pour être à la pointe. C'est ça, être souverain. Une souveraineté de fait, en fait, tout à fait. C'est ça. Il n'y a pas de souveraineté autre que celle-là, au fond. Donc,
la meilleure façon de gagner cette souveraineté, parce qu'aujourd'hui l'Europe n'est pas à la pointe dans ces technologies-là. C'est vraiment les États-Unis sont à la pointe et la Chine sont à la pointe. La meilleure façon, c'est de apprendre en fait des meilleurs et de développer en fait ce savoir-faire chez nous en Europe pour le faire. Et il n'y a pas d'autre solution, je pense. Génial, Pablo. Alors, j'aimerais te donc pour continuer. Tu as parlé tout à l'heure de Inflection. Moi, je regarde beaucoup ce qu'ils font. Je trouve ça très intéressant. J'ai un copain qui s'appelle Gauthier, qui est technical chez Inflection. Donc, Inflection créé par Mustapha Souleyman, donc cofondateur de DeepMind, avec Reid Hoffman. Et là, ils viennent de faire parler beaucoup d'eux parce qu'ils ont fait aussi une méga levée de 1,3 milliard avec Nvidia, Microsoft. Et donc, un chatbot que j'encourage tous nos auditeurs à essayer, qui s'appelle Pi. Donc, grosso modo, il faut mettre 314 sur WhatsApp pour y accéder. Un chatbot qui vient de révéler aussi des fonctionnalités en échange vocaux. Hier, j'ai vu ça. Et donc, ce que je veux te demander, Pablo, c'est un peu ton avis sur cette boîte qui est maintenant super équipée en GPU. Et tu parlais des Space Race tout à l'heure. Moi, j'ai vu un truc très intéressant de Mustapha Souleyman qui était de dire, ça fait 20 ans qu'on est dans le Race to Search. Donc, c'est des trillions de dollars sur le search. C'est Google, mais pas que, c'est Expedia, c'est tout ce qu'on veut, c'est le monde digital s'est construit sur une race to search. Et Mustapha Souleyman aujourd'hui, avec Inflection, il défend quelque chose qui n'est pas un changement immédiat, mais qui est quand même un mouvement tectonique, qui est bientôt peut-être une race to intimacy sur le conversationnel, sur l'assistant, et peut-être qu'on va vers là. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, bah, je suis 100% aligné avec lui. C'est ce qu'on veut dire quand on dit qu'il faut que ce soit personnel, personnalisable. C'est une autre façon de dire ce mot de intimacy. Absolument, 100%. Alors, je voudrais dire un autre point sur ces géants, qui est aussi une des choses que nous, on a à cœur dès le début avec Rave, qui est quel est le business model? Aujourd'hui, quelque part, tout ça, c'est aussi dans le sillage de DeepMind. Quelque part, le business model de ces énormes, ce qu'on appelle des science shops, c'est de faire des magnifiques démos pour démontrer la valeur de quelque chose, quelque part dans l'espoir de se faire racheter par un géant de la tech. Donc c'est ce qui s'est passé avec DeepMind. D'ailleurs, ça s'est pas super bien passé en termes de valo. Ils ont peut-être vendu trop tôt. Ils se sont fait racheter à 500 millions à l'époque. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec OpenAI, où OpenAI est en train, de façon directe, indirecte, on peut en discuter parce que c'est une entreprise assez étrange, en fait, avec sa façon d'être initialement un non-profit, ce qui leur permet de faire toute une banque de recherche qu'une entreprise pourrait pas faire. Enfin, bon, bref, on peut en parler longuement. Donc, qui a aussi appelé à ce qu'ils appellent le data laundering, enfin, bon, bref. Mais en tout cas, d'une façon directe ou indirecte, OpenAI est en train de se faire racheter par Microsoft et son agenda est en train de basculer de plus en plus, en somme, à développer les outils qui permettent à Microsoft de prendre des parts, en partie pour Bing sur le search et pour d'autres outils de la productivité au sein de Microsoft qui sont en train d'être intégrés. Donc, mais Anthropic est en train de faire la même chose aussi avec Google. Et récemment, il y a aussi Oracle qui a fait son partnership. Donc, c'est un peu ça aujourd'hui le business model. Et nous, on s'est dit, c'est très bien, mais déjà, il n'y en a pas tant que ça, des entreprises géantes de la tech. Et deux, pourquoi c'est toujours eux qui gagnent? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen Ben ouais, de... je suis d'accord, je le ressens sincèrement. Pour être dans le secteur à fond là, depuis 6 mois, il y a quand même une forme de incumbent problème, quoi, tu vois. Ou en fait, c'est la capitalisation boursière des GAFAM qui a pris 50% là, sur les 6 derniers Allez. mois et sur les AI, en fait. Hein, c'est eux les grands gagnants. Bah forcément, parce qu'aujourd'hui, ce business model du science shop où je lève des centaines de millions de dollars pour faire des démos, pour dérisquer une technologie pour après me faire acquérir, en fait, quelque part, c'est faire de l'externalisation de centres R&D pour ces entreprises. C'est, ils dérisquent leur R&D qu'ils pourraient faire en interne. C'est très bien, pour eux, c'est formidable, mais pour nous, c'est très important de se dire, bah, OK, mais est-ce qu'il n'y a pas des secteurs dans lesquels ils ne sont pas dominants et ils ne vont pas nous dominer, mais dans lesquels on peut vivre et exister, tenir sur nos propres pieds, avoir un vrai business model avec des revenus qui nous rendent compétitifs. Et aujourd'hui, en fait, il n'y a
pas grand monde qui peut justifier les centaines de millions, si ce n'est même les milliards, qui sont levés autre que par se faire racheter dans une guerre entre les gens de la tech. Et donc, nous, on pense vraiment très différemment là-dessus. Et on se dit, non, il y a des secteurs dont, entre guillemets, comme je dis, l'industrie créative qui n'est pas leur secteur de prédilection, où il y a des nouveaux business models à être développés, comme celui du publisher de IA, qui permettrait vraiment de créer une nouvelle force en soi. Qui peut exister en soi sans se faire acheter et qui du coup aussi devrait être une meilleure proposition pour les investisseurs. Parce que ce n'est pas forcément toujours le meilleur business model non plus. Super intéressant cette question du business model, Pablo. Moi. Alors, j'aimerais te poser quelques questions pour qu'on tienne dans notre format. Donc, et notamment, c'est les possibilités et découvertes à venir, notamment avec les LLM. Et en fait, tu m'as parlé du nucléaire tout à l'heure, et donc ce que j'ai envie de te demander, c'est qu'est-ce que tu penses de Hélion, qui est donc un projet dans lequel Sam Altman a investi très lourdement. Hélion qui fait des promesses incroyables, qui a signé des contrats avec Microsoft pour 2028. Est-ce que tu penses que qu'est-ce que tu penses de la fusion nucléaire? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut arriver rapidement? On peut parler vraiment des heures du nucléaire, c'est un peu On a compris que c'était ton dada. On a compris que c'était ton dada. enfin, j'ai surtout fait mon doctorat là-dessus. Moi, je suis un scientifique. J'adore que les gens investissent dans les sciences. J'adore pousser la science. Et c'est toujours beau quand une science peut arriver et débloquer une nouvelle ère de quoi que ce soit. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire avec l'IA. C'est quelque part ce qui s'est produit avec le projet Manhattan, à l'issue duquel on a commencé à avoir l'énergie nucléaire qui a été, enfin, qui représente encore aujourd'hui une part absolument conséquente de la production d'électricité sur Terre. Est-ce que la fusion nucléaire pourrait être un nouveau débloqueur, on va dire, là-dessus? Certainement, moi j'ai toute confiance dans ces équipes, avec les moyens qui leur, avec les bons moyens, ils arriveront à faire de la fusion nucléaire et à la contrôler. Et à être positif en termes d'énergie. La question, c'est après une question de compétitivité et aussi de quels sont les problèmes qu'on résout. Finalement, il n'y a pas énormément de problèmes que la fusion résout qu'on n'a pas déjà résolu avec la fission. Je pense que finalement, le plus gros problème que la fusion nucléaire résout par rapport à ce qu'on a déjà avec la fission, c'est le problème de l'opinion publique. Et Mais il est peut-être dû au fait. tout à fait, Paulo, est-ce que ça ne résout pas des problèmes sur le climate change? Donc, je sais que justement, tu as écrit des choses là-dessus, enfin, que Oui. c'est un de tes gros sujets. Ouais, Et donc ça ne peut pas être une réponse, tout simplement, au réchauffement climatique? oui, ça pourrait l'être, mais ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait aussi résoudre le réchauffement climatique en construisant à peu près, il faudrait quoi, enfin, quelques milliers de centrales nucléaires sur Terre, actuelles, hein, avec la technologie qu'on a déjà, et on pourrait le résoudre. Voilà, il suffirait d'électrifier toutes les formes d'énergie, c'est compliqué, dans pas mal d'industries, mais pas partout. Électrifier le transport, électrifier la chaleur, et faire en sorte que l'électricité soit zéro carbone. On a toutes les solutions, enfin, on a beaucoup de solutions pour faire de l'électricité zéro carbone. On peut avoir, bien sûr, l'éolien, le solaire, l'hydro, c'est très bien, les barrages, qu'on peut les avoir, et sinon, bah, le nucléaire. On pourrait le faire. On pourrait déjà le faire aujourd'hui, en fait. Et donc, le vrai problème là-dessus, il n'est pas est-ce que la fusion nucléaire va venir résoudre ça? Peut-être que c'est là où je dis c'est quoi le problème qu'ils essayent de résoudre. Peut-être qu'il faut se poser la question pourquoi on n'est pas en train de construire partout du nucléaire. Il y a plein de raisons qui sont toutes valables ou parfois pas toutes, mais il y a en effet une des solutions que résout le problème du nucléaire de fusion, c'est comme je dis les problèmes qui sont liés à l'opinion publique, qui sont aussi liés au transport de matériaux nucléaires, au cycle des matériaux nucléaires. Et ça, en effet, ça peut changer la donne. Peut-être que si la fusion nucléaire demain arrivait à être compétitive, elle pourrait déployer beaucoup plus vite que ne pourrait l'être aujourd'hui la fission, parce qu'elle ne présente pas forcément les mêmes problèmes de chaîne de matériaux ou de cycle du matériau nucléaire, qui peut-être sont en partie les bloqueurs aujourd'hui de la fission. Absolument. Excellent. Merci Pablo, c'est passionnant. Donc dernière question, la question rituelle Pablo, c'est ton livre ou film de science-fiction préféré?
C'est pas alors si tu vas-y et Ah, que tu recommandes à notre audience. 2001 Odyssée de l'espace, bien entendu, c'est pour moi un des plus grands films de l'histoire de l'humanité. Et en plus, il est. Et le livre est très bien aussi, hein. Le livre est très bien Alors, je n'ai aussi pas lu pour le livre, Arthur C. mais si Clarke. on voit le film de Kubrick, que j'ai revu d'ailleurs récemment, c'est absolument spectaculaire comme il est encore d'actualité, encore plus peut-être qu'à l'époque, à quel point il était visionnaire vis-à-vis de les problèmes de voilà, la conscience de l'intelligence artificielle. Je pense que HAL est peut-être la meilleure représentation du dilemme qu'on peut avoir nous encore aujourd'hui, et qu'on a aujourd'hui, que les réactions que les gens ont vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Je pense que HAL est vraiment absolument une des plus belles façons de réfléchir à ce problème, de la conscience, de la responsabilité, de qu'est-ce qu'on veut confier, de risque, du potentiel, de tout en fait autour de l'intelligence artificielle. C'est vraiment, j'encourage absolument tout le monde à revoir 2001 Odyssée de l'espace s'ils l'ont déjà vu, ou à le voir s'ils l'ont jamais vu. C'est pas un film qui est très facile à voir, il est assez long, mais en tout cas, il est absolument beau, il est, enfin, bref, mais surtout, la réflexion qu'a mis Kubrick autour de l'intelligence artificielle est spectaculaire dans ce film, elle est encore complètement d'actualité, ce qui est stupéfiant compte tenu de l'époque où il a été fait. Je suis tout à fait d'accord. Super. Et donc, regardez 2001, Odyssée de l'espace, lisez le bouquin d'Arthur C. Clarke. Pour les vacances, c'est un super programme. Pablo, merci beaucoup, c'était passionnant. Merci d'être venu sur Contoiria. Et je te dis à très bientôt. On va suivre aussi Rave avec beaucoup d'attention parce que c'est un projet qui est extraordinaire et qui peut avoir un impact énorme sur demain. Exactement, on retourne au boulot. Mais je pense qu'une des grandes différences, enfin, c'est l'ambition qui va changer ici la donne en termes d'impact. En tout cas, on la porte certainement avec le projet et bien sûr le talent. Merci Pablo, à bientôt. Au revoir Nicolas.